ben voilà, c'est parti, jour 3. Donc là, on va vers Sixte, je crois, un truc comme ça. Donc grosse étape. Et on devrait arriver à trouver sur la route notre soutien de Cerotor qui nous a fourni crampons. Donc c'est cool. Ça va permettre un petit peu de voir de la civilisation. Bon, quoi que vous avez bien vu qu'on boit aussi des bières, mais bon. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va descendre en direction de Samoins. Oui, c'est bien indiqué par ici, donc 2h30, hein, donc on y est d'ici 15 minutes hein, normalement. Oh, c'est une blague, hein, on a le droit de rigoler un peu. Et puis voilà, petit tour d'horizon, donc aujourd'hui on a un temps très capricieux. Ouais, très capricieux. Alors moi je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il pleut pas. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que marcher en pleine chaleur c'est très difficile. Ouais, je trouve qu'il fait bon. Voilà, et vu qu'on commence à être un peu fatigué, mine de rien on a 50 km dans les pattes depuis dimanche midi. On n'est que mardi. Avec le sac presque de 16 kilos, sachant que... C'est plus le dénivelé. C'est ça. Et le dénivelé n'est pas facile, vu que hier on a pris quasiment 2000 en positif, 1900 pour être exact. On a pris en négatif 1600 et des brouettes. Et le premier jour, on a pris quasiment autant de négatifs avec 1700 de positifs. Donc ouais, c'est... Voilà, ça commence à piquer un peu. Après maintenant, on n'a pas de douleur vraiment problématique. Tout le monde va bien, si ce n'est quelques cloques. Moi malheureusement en dessous des pieds, donc c'est va falloir que je surveille ça de près. Et pour notre cher Dolphou Touring, c'est au niveau du talon. Voilà, sinon Alain, lui tout va bien. Quelques petites irritations au niveau facial. Bon, ok, alors. Excusez-moi, je voulais dire quelques irritations au niveau facial. Mais ça, un de mes amis en Islande avait eu le même problème. Je veux dire, un peu de noc, petite noisette bien répartie. C'est passé, ouais. Voilà, c'est passé. Passé c'est tranquille, oui, tranquillement, voilà. Tranquille. Hein. Bon, bah sur ce, nous continuons notre route. On est en train de construire un poulailler. Vu qu'on est en avance sur le GR, on s'est dit voilà, on va se faire un petit poulailler, comme ça je suis sûr on aura un 9-2. Voilà. Allez, on est passé. Je coupe pas le petit. Attention, ouais. Qu'il aille pas tomber le bordel. Attention, je regarde pas trop les jambes. Ça, c'est le poulailler en construction et en réparation. C'est de la meilleure construction de l'herbe, avant de sortir les cahiers. Allez les pompiers. Allez, viens ensemble. Allez, oh, attendez. Non, t'es monté. Les jambes. Ouais. 1, 2, 3. Alors, attention, attends. Nickel. C'est pas un caillou qui va nous embêter, quand même. Voilà. Alors, après, quand on aura fini, je vous montrerai la pierre qu'on a tirée avec des rugbyman. Ah, mais ouais, mais là, attendez, de suite, vous parlez de rugbyman. Non, 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 je rigole. Vous avez que des petits pompiers, hein. Je rigole. Bah, bon, nickel. Là, elle est magnifique. Bah oui, nickel. On a fait ça, c'est bon, on va rentrer à la maison maintenant.
Bon voilà, on a mis nos petits crampons de trail, voilà, qu'on a de la marque donc Cerotor, qui nous ont bien aidés donc sur ce GR. Et voilà, il y a pas mal de névé jusqu'en haut. Alors c'est pas énorme, hein. Je pense même que ça peut passer sans, mais du coup on va quand même se mettre en sécurité. On va passer avec, puis on vous dira un peu le ressenti, vu qu'en plus c'est un peu de la neige de printemps, on a tendance à s'enfoncer, à glisser, enfin c'est un peu un bordel. Voilà, donc on va tester ça juste pour voir, et puis de toute façon derrière en plus je crois que c'est enneigé aussi. Et on vous dira juste après notre ressenti. Allez, c'est parti, on fait un peu le test. Voilà, bah écoute, c'est une super accroche. Là on est sur une petite montée là, qui est pas mal quand même, mine de rien, ça glisse pas mal. Donc voilà, les crampons Cerotor, hein, on les a tous au pied. Et puis voilà, on marche sur la neige comme sur un nuage, tranquillement. À tous, ce soir on est en refuge, on a la soupe chaude, un nouveau copain qu'on a rencontré, Alain qui est toujours là, de Touring au taquet, forcément toujours là. Allez, bisous bisous, et la vue évidemment. La brasserie du Mont Blanc au Génépi, ça c'est pas mal. Donc voilà, on est à Moix d'Anvers, au refuge, et ce soir on se fait plaisir. On va manger des pâtes, une soupe, du fromage, bref, un peu de repos avant d'attaquer la grosse journée de demain. Alors mon petit Alain, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est de l'élixir de chartreuse. Élixir de chartreuse, dans la petite verveine, comme ça le soir avec la vue, c'est sympa. Voilà. C'est la base. Je pense qu'on devrait faire un peu plus de refuge quand même. Hein. Ben écoute, ça serait pas mal. Ça hein. serait pas mal. Hein. Mais bon, ça va pas vraiment correspondre avec les kilomètres de demain pour 30 nouveaux kilomètres. Et on va attaquer par le Brévent. Allez, par contre la météo ça craint, mais bon, on verra bien. Bonne soirée à tous. Et voilà, fin de l'épisode 3. Ça a été une journée pour nous extraordinaire avec une vue magnifique sur le Mont Blanc qui, à l'épisode 4, va être encore plus intéressante vu qu'on sera directement au niveau du col du Brévent. Bon bah si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. Et bien sûr, suivez-moi en vous abonnant à la chaîne. Bon, bah je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée et à très bientôt. Portez-vous bien.